par la présence, j'aimerais vous présenter mes salutations les plus distinguées. Mon message se veut universel pour que chaque être humain puisse déployer ses ailes. Ayant déjà vécu 37 années sur cette terre, j'ai connu principalement la misère. Là où la débrouille reste l'alternative la moins précaire, ça donne un avantage d'avoir les pieds sur terre. L'argent, cette création qui divise les gens. On s'entête, on s'isole, on se rend malade continuellement. On passe notre vie à travailler, du cours préparatoire à l'université, du CFA à l'usine pour les ouvriers. Oui, le monde se divise bien en deux sociétés. Il y a les prolétaires, il y a les privilégiés. Deux catégories qui se sont éloignées. Ils ne vivent pas le temps avec la même intensité. Pendant que les uns suent, les autres se font essuyer. On comprend mieux pourquoi ils ne veulent pas perdre leur train de vie aisé. Le seul moyen pour tout basculer et ne plus être les esclaves modernes de notre société. Nous sommes le nombre, nous sommes le peuple. Retrouvez la raison et dites-leur stop. Travaillez pour vous et vos proches plutôt que pour une entreprise. Cultivez la terre, construisez la pierre. Prenez soin de votre lopin de terre. Nous vivons dans un monde de plus en plus pervers. Les élites entretiennent à merveille ce caractère. Ils se croient tous malins et en sont fiers. Chaque jour qui passe se rapproche de la dernière fois qu'on supportera ces politiques mortifères. L'argent, cette création qui divise les gens. On s'entête, on s'isole, on se rend malade continuellement. On passe notre vie à travailler, du cours préparatoire à l'université, du CFA à l'usine pour les ouvriers. Oui, le monde se divise bien en deux sociétés. Il y a les prolétaires, il y a les privilégiés. Deux catégories qui se sont éloignées. Ils ne vivent pas le temps avec la même intensité. Pendant que les uns suent, les autres se font essuyer. On comprend mieux pourquoi ils ne veulent pas perdre leur train de vie aisé. Les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Tout ne se fait pas en quelques jours. Il faut avoir de la force et du courage pour faire partie de l'histoire et enfin sauver notre peuple du désespoir. La dernière fois qu'on supporte un peuple du désespoir. Les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Ça ne se fait pas en quelques jours. Il faut avoir de la force et du courage pour faire partie de l'histoire et enfin sauver notre peuple du désespoir.